Eh bien, bonjour à toutes et à tous pour ce premier talk du lundi de l'année 2019. Heureux de vous retrouver avec Geoffroy qui, comme chaque semaine, filme. J'irai quelques mots évidemment de bonne année, de l'émission où j'étais ce matin l'invité de France 24, du week-end important pour la DMD puisque c'est à la fois notre conseil d'administration et ce sont les journées des délégués, l'occasion de revenir un peu sur le rôle des délégués et puis ce grand débat qui est actuellement lancé dans lequel on a oublié comme d'habitude la question de la fin de vie, c'est peut-être à nous à imposer le débat, on va en parler et puis bien sûr toujours ce travail qu'on doit faire avec les parlementaires, je vous retrouve dans quelques secondes. Je voudrais encore vous souhaiter une très très belle année 2019. J'ai eu l'occasion de le faire par vidéo le 1er janvier, mais je voulais vous renouveler une fois de plus mes vœux de bonne année pour celles et ceux qui sont malades notamment, leur dire qu'on est à leur côté, et puis pour les autres, leur dire d'essayer de profiter de la vie de chaque moment, parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait, et que la seule richesse que nous ayons, c'est le moment présent. Donc bonne année à tous, et puis des pensées pour celles et ceux qui malheureusement sont très malades, dans des situations extrêmement difficiles. Ce matin, j'étais l'invité de France 24, à la fois en français et à la fois en anglais, ce qui a permis un peu de mobiliser aussi, je l'espère, nos compatriotes qui vivent notamment à l'étranger ou qui sont en vacances et qui ont pu regarder ces émissions. Je crois qu'il faut qu'on ne néglige rien dans ce combat que nous menons. Alors cette semaine pour la DMD, c'est toujours une semaine importante puisque le dernier week-end de janvier, c'est traditionnellement consacré aux délégués. Donc les délégués de la DMD vont se réunir vendredi et samedi. Il y aura aussi le conseil d'administration. Alors c'est un moment important parce que vous savez, vos 120 des délégués, c'est eux qui sont dans vos départements. C'est eux qui sont au plus près de vous. Ils jouent donc un rôle considérable. Ce sont des bénévoles qui donnent beaucoup de leur temps. Je sais que beaucoup d'entre vous téléphonez souvent dès que vous avez un problème. Et c'est l'occasion de les aider à la fois à mieux mener leur mission et puis de leur donner un certain nombre de consignes pour se mobiliser cette année qui est importante puisque, évidemment, nous espérons toujours obtenir une loi d'ultime liberté. Voilà, donc vos délégués seront là dès vendredi jusqu'à samedi. En tout cas, pour moi, c'est un plaisir de revoir toute cette équipe de bénévoles qui travaillent vraiment d'arrache-pied. Et je crois qu'on a beaucoup de chance dans notre association d'avoir autant de bénévoles mobilisés. Vous savez, on est aujourd'hui plus de 70 000 adhérents, mais on sait que dans les associations, certains adhèrent, puis adhèrent à la cause, mais n'ont pas envie d'être militants, on peut aussi l'entendre. Mais c'est aussi important pour la nôtre que d'avoir des militants très engagés, et c'est le cas des délégués. Et je voudrais encore les remercier pour la mobilisation quotidienne qu'ils mènent dans le pays. Alors, vous savez qu'un grand débat a été lancé. Le président de la République a fait une lettre à tous les Français. On a exclu plus ou moins les questions de société. Alors je peux comprendre qu'on ne veuille pas reparler du mariage pour tous. C'est un progrès, c'est une avancée. On ne va quand même pas reculer l'IVG de la même manière. Mais je pense que quand même la question de la fin de vie aurait mérité quand même d'être un peu dans le sujet. Alors vous savez, rien ne vous empêche, vous savez, ce débat qui va avoir lieu jusqu'au 15 mars dans vos villes, eh bien vous pouvez y aller. Et à un moment, on parle des institutions, des évolutions qu'il doit y avoir. Et puis je crois que vous fassiez entendre ceux qui ont encore des cahiers de doléances. Il faut écrire, comme je vous l'avais dit en décembre, ces demandes-là. Il faut les faire remonter. On ne peut pas laisser que la manif pour tous, comme vous l'avez vu, qui est extrêmement organisée. Vous avez vu hier, il y a eu une manif pour la vie. Ils nous ont dit qu'elle était historique. Ils étaient certes quelques milliers, mais elle n'avait rien d'historique. Les gens qui demandent qu'on retire des droits aux autres, alors qu'on leur impose rien, personne n'impose à ces gens de se faire avorter ou de se faire, se faire euthanasier. Donc ils sont dans ce débat-là. Ils essayent de se faire entendre à la fois sur la PMA, mais aussi sur la question de la fin de vie. Et il faut que vous, adhérents de la DMD, essayez d'aller dans ces réunions. Et en tout cas, il y a depuis ce matin un site qui a été ouvert, un site sur le grand débat. Allez vous exprimer
allez faire des propositions sur la fin de vie, allez proposer qu'on vote une autre loi. On sait que les lois actuelles ne fonctionnent pas. Et ça, c'est important parce que je le dis, je le redis, je sais que c'est un travail, je sais qu'il faut le faire, mais vous savez, une association ne peut pas vivre que grâce à son bureau ou à ses 120 délégués. Elle a besoin de chacune et chacun d'entre vous, d'autant que quand nous écrivons sur un site, on sait la vie que nous avons, ça compte pas autant que de voir des tas de citoyens qui viennent réclamer ce droit de mourir dans la dignité. Donc moi, je compte vraiment, vraiment, vraiment sur vous pour que jusqu'au 15 mars, vous mobilisiez sur les réunions. Et ceux qui ne peuvent pas se déplacer, eh bien, il y a ce site, il est ouvert. Si vous n'allez pas sur Internet, demandez à des amis qui ont accès d'écrire à votre place. Il faut le faire, c'est extrêmement important. J'y reviendrai souvent comme, et j'en termine là, évidemment, le travail auprès des parlementaires, il n'est pas fini. Il y a 3 propositions de loi, je vous le rappelle, et nous comptons bien que d'ici la fin de l'année, il puisse se passer des choses. Nous avons rencontré en fin d'année dernière des parlementaires de toutes tendances. On voit qu'il y a une vraie volonté de ces parlementaires, mais il faut qu'on soit derrière eux, parce qu'il y a des lobbies extrêmement puissants. Il y a une ministre de la Santé qui est absolument contre. Il y a l'Église qui se bat contre, il y a les grands professeurs de médecine qui se battent contre nous. Donc il faut qu'on soit puissant, sachant qu'on a derrière nous les Français. 9 Français sur 10 veulent cette loi. Eh bien, c'est l'occasion, et c'est pour ça aussi que ce grand débat, il faut que vous y participiez. Voilà, je vous souhaite en tout cas une bonne semaine, et puis surtout une semaine de mobilisation. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour le talk du lundi. Bonne semaine à toutes et à tous.